souffrances-là. Parce qu'il a crié, si tu pouvais m'en délivrer. Amen. Mais selon Dieu, c'est que il sera puissant de génération en génération, mais c'est qu'après la mort. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il faut couffer. Vous sautez l'Iwate à Koufa. Après la mort, Jésus reçoit un nom qui soit élevé au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, là, on est en train d'invoquer ce bon nom. La Bible dit qu'il a reçu un nom qui soit élevé au-dessus de tous les noms, du siècle présent, siècle à venir et jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Là, on peut clôturer sur... Est-ce que quelqu'un connaît la délivrance? Commençons une suite. Pour être délivré. La délivrance veut dire libérer ou bien rendre sa liberté. Ça, c'est ça la signification de la délivrance. C'est libérer. Débarrasser quelqu'un de quelque chose, des esprits mauvais. Débarrasser des habitudes de l'Égypte. Débarrasser des comportements. Dégager. C'est-à-dire qu'il faut libérer. Amen. Amen. Esaïe 61. Vous êtes fatigué? Non. Non. C'est un terme méchant. Esaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Écoutez ce passage. Pour proclamer aux captifs là. Proclamer aux captifs la liberté. Non, 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 des personnes. Proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers. La délivrance. Et aux prisonniers. La délivrance. C'est mal là-bas, les mamans. Et les papas, ils ne veulent pas les voir. Bah là, mais là, ils viennent au télé. Bon, là, mal à pourquoi. Amen. Proclamer. La liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers. Aujourd'hui, l'Église est remplie de captifs. Amen. 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 L'Église tant de la fin, c'est une Église emprisonnée. Jésus l'a dit. Le monde entier sous l'emprise de l'ennemi. C'est-à-dire que le monde entier est captif entre les mains de l'ennemi. La captivité. C'est quoi une captivité? La captivité, c'est un état de choses qui est emprisonné, qui n'a pas de liberté. Amen ou pas? Amen. 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 Esaïe dit, l'Esprit m'a oint. C'est pour dire que si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, ta délivrance n'est pas encore effectuée. Amen ou pas, amen. 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 Mais ils sont encore captifs. Je vais parler, ça chauffe. Captivité des mensonges. La Bible dit que celui qui est en Christ est celui qui nous fait une créature. Voici toutes choses anciennes sont passées. Mais si on te trouve en Christ avec le mensonge, c'est que tu es encore captif. Amen ou pas, amen. 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 Si on te trouve en Christ, que tu es passionné de ce monde, la convoitise. C'est la captivité. Amen. Si
tu es actif. Tu es entière entre son âme. C'est des romantiques qui dirigent maintenant les églises. Et le monde peut dire que ce sont des tintins. Amen. 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 Dieu ne coopère jamais avec les péchés. La Bible dit dans Romains 23, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Amen. Les églises sont dans la captivité. Les filles des hommes et des femmes de Dieu sont élues dans la prison. Quelle prison tu es cet après-midi? D'autres sont dans les critiques. Amen. Amen. La captivité, combien ça tarde. Et des fois, on est les premiers à se plaindre que Dieu n'agit pas. On est encore captif. Un captif ou un prisonnier, on ne peut pas lui accorder la bénédiction. Je n'ai jamais vu un homme qui est emprisonné et en même temps, il est embauché quelque part, il travaille. C'est qu'il est privé de tout. Amen. Amen. Un homme qui est dans la captivité, de la sexualité, des vols, des mensonges, l'Esprit de l'Éternel ne se reposera jamais sur sa vie. C'est ce qui est à la base des dégâts dans les églises. C'est parce que les gens sont encore captifs. Amen. Amen, amen. Les gens ils sont captifs dans la chair. Ils n'ont plus l'Esprit de l'Éternel. Esaïe dit, l'Esprit m'a roi. Pour annoncer, pour proclamer la liberté, ça voulait dire pour prophétiser. Amen. Amen. Et si je suis là, c'est pour prophétiser la fin de vos captivités. Amen. Combien ils sont tenus dans la captivité? Santé malade tous les jours, c'est une captivité. Si quelqu'un est malade, que Dieu le guérisse. Parce qu'il nous a donné l'autorité même sur la maladie. Mais l'Esprit vivifie. Un homme qui est dans le désordre, un homme qui est dans la sorcellerie, c'est un homme qui est dans la captivité. Amen. C'est qu'il est sous l'emprise de l'ennemi. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui est sous l'alcool. Ici, tu as les gars, tu mets là-bas. C'est un autre sol qui tombe, hein? Captif. Un homme de Dieu, un serviteur, une servante, il doit se séparer. La Bible dit dans 2 Chroniques, dans 2 Corinthiens chapitre 6, il n'y a pas de rapport entre ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. La Bible dit qu'il faut haïr un et il faut aimer l'autre. Amen. Et celui qu'il faut haïr, c'est le diable. Et celui qu'il faut aimer, c'est Jésus de Nazareth. Amen. C'est notre ami de tous les jours. Amen. Amen. C'est lui qui nous sort de toute captivité. Mmh. Nulle part il est écrit que le diable peut te délivrer. La captivité. Combien sont captifs? Sont captifs